Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 8 de Rise of the Tomb Raider. Alors, je suis remonté pour essayer de gagner un tout petit peu de temps, hein, comme vous voyez, là on a la grosse hélice. Donc je sors du tombeau facultatif, on prend le chemin que tout à l'heure on avait rebroussé. On va essayer de sortir de cette grotte et d'aller en fouiller une autre, parce que j'ai checké, on a bien 5 grottes à fouiller dans cette zone. Donc, allez, hop! Voilà, ça. C'est pas du compliqué. On laisse notre chère petite Lara monter. Et, hop! Voilà. Allez, on continue. Peut-être essayer aussi de retourner dans la première, aller tuer le loup. Je sais pas si c'est vraiment utile. Ça vaut le coup de s'ennuyer en fait à aller le chercher, en fait, c'est ça que je me demande. Donc là on revient au début de la grotte, hein, tout simplement. Alors on se dépêche. Par contre je voudrais aller voir si... Voilà cette partie là. C'est vrai que j'avais oublié aussi. Voir s'il y a quelque chose. Oui. Oui, il y a plusieurs choses. Donc d'abord prendre des ressources. Là, je sais pas si c'est vraiment utile pour ça. Le prophète était persécuté, de même que ses fidèles. Hop, on est monté au niveau 3 en grec, c'est bien. Mais pour l'instant, ce qu'on aurait besoin, c'est plus de russe que de grec. Mais passons, c'est pas grave. Il n'y a pas d'autre. Minerai à l'horizon. Notre chère petite Lara est en train de geler sur place. La pauvre. Là, si on en a. Voilà pourquoi il est important de miner, enfin de regarder un petit peu partout, hein, avec l'instinct de survie. Parce que sinon, on rate beaucoup de ressources. Et on aimerait bien quand même trouver le max de ressources par le max d'amélioration. Hein. Toujours améliorer notre stuff pour être au top. Ça, c'est le... C'est un petit peu le nerf de la guerre. Allez, on va fouiller cette grotte-là. Ça, je l'ai déjà récup, très certainement. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il y a des loups. Dodo, les loups. Hop. On récupère ça. Encore des champis. C'est bien, hein, des champis. On va pouvoir un peu faire des flèches empoisonnées. Ça, c'est bien. Ici, il y a encore du minerai. On va essayer de récupérer. Voilà. Et là, j'avais vu, il y a une carte. Allez, hop. Carte mise à jour, secret dévoilé. Voyons voir. On aurait une relique là-haut qu'on n'a pas trouvée. On a le monolithe qu'on peut toujours pas lire. Et apparemment, il y aurait toute cette zone ici. C'est le campement, hein, donc l'endroit où on doit aller. Là, il y a un défi tombeau. Et au fond des ténèbres, vous avez exploré 3 sur 5 grottes. Et ici, on a un autre document. Bon. Ah non, mais non, notre objectif, il est là, donc... Je sais pas où c'est, ça, en fait. Mais on va aller voir, on va aller fouiller, puisqu'apparemment, il y a pas mal de choses à aller récupérer. Minerai de magnésite. Ah, ça, c'est peut-être à côté. Oui, c'est là. J'ai entendu un loup. C'est quoi ça? Bon, je sais pas, ça fait des bulles, c'est juste un... Voilà, c'est juste un petit truc pour la déco, c'est un petit détail, c'est joli. Bon, apparemment ici on a tout pris, on va aller voir... Ah, bah là j'avais même pas fait attention, mais on a quelque chose encore à récupérer.
La relique. Ah oui, la relique, mais si, on a été la voir, mais on pouvait pas l'ouvrir au moment où on a été. Alors, on n'avait pas le crochet. On va y retourner très vite. Hop. Hop. Apparemment, c'est ici, hein. Je dis pas de bêtises. On va récupérer les flèches. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça, on peut pas le faire tomber. Hein. Je suis quasi sûr que c'est là-dedans. Non, hein, le pointeur devient pas rouge, donc... Donc c'est pas ça encore qu'il faut faire. On a peut-être tout simplement pas ce qu'il faut hein, pour le débloquer. Ah, on peut encore en prendre. C'est dingue, avant on était full de ces... de plumes, et maintenant on peut en récupérer encore un max. Bon, c'est cool, hein, mais ça m'étonne. Ah, c'est peut-être ça en fait qu'on avait raté. Une photo de famille. Oh, des Russes de la fin des années 50. L'un d'eux était peut-être emprisonné ici. D'accord. Pivote, s'il te plaît. Allez, lis-le, quoi. Il y a quelque chose d'écrit ici. Souviens-toi. D'accord. J'aurais espéré que ça aurait fait monter notre niveau de grec, mais pas encore assez. Donc on va devoir aller faire la petite zone là-bas. On va voir. Allons jeter un œil. Alors j'ai trouvé ce truc là aussi, qui est bizarre, mais il veut rien faire avec. Enfin, elle veut rien faire avec, donc je sais pas. Oh, il y a du monde. Deux personnes. Et putain, il y avait deux cerfs. Oh bordel. Oh. Hop, on récupère ça. Les deux gars ici. Hey, je croyais que Piquet devait s'occuper de ce boulot. Moi aussi. Mais on raconte qu'il est parti en mission avec Constantin en Syrie. Ah merde, désolé. Qu'est-ce qu'on raconte sur les deux guides locaux qu'ils ont chopés en dehors de la vallée? Ils ont dû travailler pour deux personnes, pour une jeune britannique. Ils les ont abandonnés dans les montagnes avant la vallée. Là-bas! Tu vas crever! Tac! Rien du tout! Il y a peut-être un moyen d'accéder à l'ancienne prison. Ouais, par contre... Ah, si, on peut. Bon, techniquement, merde! Techniquement, voilà comment on aurait dû les flinguer, c'est-à-dire en montant là. Ah, voilà. Toujours cette fameuse corde hein, qu'on me demande que je n'ai pas. Ça, par contre, ça... oui. D'accord. Est-ce que pour aller... Non, c'est pas, on est d'accord, c'est pas le bon chemin. On va essayer de repasser par là. Pas trop se faire mal. On va monter. Hein. Ah, c'est con, on a raté les deux cerfs et ils ont été se planquer là-dedans, donc plus moyen de les avoir. Bon, ici toujours... un truc avec la fameuse flèche avec la corde. Soviétique.
Il y a eu un massacre ici, on dirait. Ah non, tu penses, non? Moi, je dirais qu'avec les trois mecs déjà pendus et les 5 ou 6 gars à terre, j'aurais quand même une petite hésitation. Nouveau feu de camp. Ah, bon, bah c'est pas mal, c'est cool même, je dirais. Encore des trucs pour les armes? Non, t'es sérieuse? Bon, ici, y a rien. Quand même pas pour le flingue. Non. Il nous faut beaucoup plus de boulons. Ouais, il nous faut 10... 21 boulons et on en a 3. Donc, ouais, il va nous en falloir un peu plus, c'est sûr. Et ici, c'est pareil. On a tout débloqué au niveau 1. Donc, pour l'instant, on est plutôt bien... Ah, encore une plaque. Peut-être ça va nous aider à augmenter notre propagande. Travailler dur pour combattre le froid et la faim. Ça augmente un petit peu notre russe, mais c'est pas ouf, hein. Hop, du matériel. Pas moyen d'actionner. Il nous faut ce fameux truc. Ah ! Non, mais là, c'est... Peut-être... Ce texte, il semble mener vers quelque chose à proximité. Cache de monnaie révélée. Voyons voir. Une ici, une là, une... Et une dans une grotte. Qui doit très certainement être le défi tombeau. On va aller chercher... Non, on va pas aller la chercher tout de suite. On va essayer de rentrer là-dedans, voir si on peut, déjà. Parce que j'ai l'impression qu'on peut... Bah, en fait, on peut pas, je crois. Je pense que l'entrée est là-bas, et tant qu'on n'aura pas... On n'aura pas débloqué ce qu'il nous faut. C'est une zone où on ne pourra pas aller. Mais on essaye de grappiller ce qu'il nous faut pour le niveau 3 du russe. Même si pour le moment c'est un peu compliqué à avoir, on dirait. Hey, s'il te plaît, Lara, avance. Récupère ça. Allez. Des boulons. On en a besoin. Ah, du bois. Toujours plus de bois. Hein. Portant. Ah, des mumus. On prend. Est-ce qu'on se rapprocherait pas? Si, c'est bien ce que je me disais. On fait pas ça pour rien. On va aller chercher les pièces du coup. Hop, allez. S'il te plaît, Lara. Voilà, hop. Voilà. On a trouvé la petite cache de monnaie. D'accord. Hop, on monte là-haut, voir ce qu'il y a. Oh oh. Bon, si tu veux, prends les flèches. Non. Ce que je veux, c'est récupérer toujours plus de ça. Ah, ça y est, les plumes, on est refoule. Bah, on va descendre. Hein. Pas besoin d'autre chose. Deux planches de bois, encore des boulons. C'est bien, c'est ce qu'on veut, donc nickel. Et ici, je descends par... par je ne sais pas. Peut-être par là. Est-ce que le cerf serait revenu? J'aimerais bien. Il y a un arbre là-bas, je vais aller le couper. Putain, le cerf est là. On va le laisser se calmer. Pour essayer de l'avoir. Putain, Bambi, tu vas pas me...
Je peux peut-être trouver le prisonnier de Constantin. Il sait sûrement quelque chose. Mince. Allez, il est blessé, il y a moyen. Oui. Bon, ça nous a coûté pas mal de balles, mais je l'ai eu. Ah, et on a récupéré des cornes. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais je pense que pour l'arc, ça va être un bon ajout. Paf. Ah, oui, d'accord. On va dire que ça l'a pas touché en pleine tête, hein, parce que sinon... Waouh, le cerf. Paf. Allez, hop. Il y a tout un pan de falaise, là. Mais il nous faut pareil la corde, donc pour l'instant, c'est pas par là. Donc je pense qu'on va aller chercher les dernières pièces et on va essayer d'avancer sur l'histoire, chercher le fameux prisonnier qu'elle nous a demandé. Je crois que c'est le mieux à faire. Parce que ici, je pense qu'on a plus que clean la zone. Ah, encore du bois. On récupère, hein, c'est toujours bon à prendre. Allez, ma petite Lara. Essaye de surmonter ce froid. Alors, il est où? Il est là, les pièces sont là-bas. Donc, ok, en fait, je vais jusqu'au monolithe. Et on devrait y arriver assez facilement. Ok. Hop. Ah, là-dedans, il n'y aurait pas... Que dalle là-dedans, parce que je sais pas si on a déjà été. En fait, on peut même pas y aller, donc c'est simple. Allez, allez, allez. Cache, et là, des herbes. On va prendre les herbes. C'est gratos, hein. Et je le vois. On voit déjà le truc qui brille. C'est là-bas. Allez. Voilà. Est-ce qu'on a été là-dedans? Je sais plus. Je sais plus, on a tellement tourné dans cette zone que... Bah non, voilà. Voilà encore une chose qu'on a ratée. Putain, il y a encore plein de trucs ici aussi. Voilà. Non, là c'est bien. Hop, ici, je sais pas trop. Putain, c'est quand même pas juste pour des plumes qu'on est venu là. J'ai vraiment l'impression que si. Hein. Vous vous foutez de moi. Hein? T'es sérieux, un feu de camp ici? D'accord. Bon. Arme? Non. Si. On a déjà récupéré 10 boulons. Chargeur poli ou dégâts en plus. Hein. On va prendre les dégâts quand même. On n'est pas des oufs. Bon, on a bientôt amélioré le flingue au niveau 1. Ça, c'est cool. Regardez ce qu'il y a là-dedans. D'accord, c'était des ressources. Viens voir. Il y a quoi ici? Non, c'est moi ou bien c'est un truc à sous-sifflard? Hein? Intéressant.
Bon bah il y a que dalle ici en fait, c'est juste pour faire beau. Les devs se sont fait chier à faire des trucs quand même qui ne servent pas à grand chose hein, et ça bah c'est honorable. Il n'y a pas beaucoup de devs qui feraient des trucs juste pour le décor, pour donner de l'ambiance au jeu. Et bah moi je trouve que ça vaut le coup d'être mentionné. Allez, on n'est pas du tout au bon endroit, donc on fonce, hein, on essaie de se dépêcher. On va essayer de se dépêcher, on a déjà fait 20 minutes rien que pour des grottes. Et je crois qu'on ne les a pas toutes faites en plus. C'était ce putain de lapin qui faisait ce bruit. Oh putain. 2 enfoirés de cerf. BAM! Avec l'amélioration, on fait plus le malin. Hein. Ah ah! Alors, qu'est-ce t'en dis? Bon, on va aller fouiller ça vite fait. Je sais plus si on l'a fait, donc on va essayer. Il y a tellement de choses dans cette zone, c'est ouf quoi. Waouh! Pourtant, je fonce, hein. Je jure que j'essaye de foncer au maximum. Fond des ténèbres. Pièce ancienne. Hop. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que le jeu vous le dit direct hein, quand il fait quelque chose. Attention, il y a une pièce de monnaie dans le coin, au cas où tu l'aurais oublié. Bon, et ça, on peut pas encore la faire. D'accord. Bon. Ce qu'il y a de bien, c'est que... voilà, on va pas encore perdre du temps sur ce défi. On va pouvoir avancer. Mais, purée. Ce jeu qui réclame tellement de choses à faire, c'est vraiment dingue. Hein. Je m'en doutais, il y a des champignons juste en bas. Bon, je laisse tomber les champignons parce que sinon on n'a pas fini. C'est quoi ces choses là? Oh non, quand même pas. Vous allez pas me faire ça à moi? Ah non! Eh ben si! Oh putain, en plus il nous ramène super loin. J'aurais dû m'en douter. Bah alors là, je vais pas monter. Qu'est-ce qui t'arrive? Mongolise? Oui. On va pas trouver le guépard non plus. Et ça, c'est... Bon, pour l'instant, c'est pas très grave parce que ça nous demande pas forcément... Putain, il y a encore quelque chose ici, quoi. C'est ouf. Ah non, on est plein. Bon. On va s'en priver, hein. C'est plein, mais quand même. Souci, je les récupère. Allez, hop, on y va. Quitte à perdre du temps, parce que si je les récupère.
Pour dépasser ce point, des flèches à tête crantée sont requises. Ah, d'accord. Et donc, on va faire des jumps de l'une à l'autre. Ok. Bon. Ce qu'il y a de bien, c'est que je me dis que ça, ils auraient pu me le dire un peu avant. Mais il fallait que je me casse la gueule hein, pour que, voilà, je comprenne que le chemin est bloqué. Ça, pareil, c'est juste un décor. Ah, j'ai du bois à fond. Je vais essayer de faire des flèches, mais apparemment, je suis à fond en flèches aussi. Donc, le jeu est suffisamment généreux, on va dire. Il y a quoi là-dedans? Ouvre-le, 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 ouvre-le. D'accord. On va récupérer ça. Y'a quoi là? Les herbes, on s'en fout. On en a la max. Là, on peut monter, mais on s'en tamponne. Ça, à mon avis, on va en sortir plutôt qu'en rentrer. Hop. Un monolithe, on va aller voir ce qu'il dit. Si on arrive à le lire. Quelqu'un a gratté quelque chose en dessous. Des indications vers une chose cachée. On va voir, il est où? Oh non! Vas-y. Une, deux. Et trois. Bon, comme de toute façon, on devra y revenir, je suis désolé, mais là, on n'y retourne pas. Donc, on va aller chercher celle-là, qui doit être juste derrière, je pense bien. Et on a du monde. Un vieux camp de travail soviétique. Les Trinitaires en ont pris le contrôle. Où c'est qu'il y a du monde là? Paf. Merde, il m'a vu. Finissons-en. Tu vas mourir, oui. Tiens, hop. J'avais compté 3 mecs en plus de celui là-haut. Bon, j'ai peut-être mal compté. Et où mon petit gars? Encore de la propagande soviétique. C'est moi bien, j'entends quelqu'un. Ça. Cabane à provision. Utilisez des pièces byzantines pour acheter des objets aux techniciens de l'ordre de la Trinité. Approchez-vous des objets. Maintenez X pour les acheter. D'accord. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi, si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets, mais s'ils le découvrent ou qu'ils nous voient ensemble, je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Le mec, il a des trucs de ouf quand même. Ah oui, ça, on l'avait eu dans le 1 en tuant le mec hyper balèze. Et c'est l'espèce de petit moteur là pour les cordes. C'était bien ça. 140. Et pour la mitraillette militaire,
140 aussi. Bon, alors, ce qui serait bien, ce serait ça, l'outil de fabrication qu'on nous demande. Et 175, quoi, c'est limite le truc le plus cher qu'on nous demande. Du coup, je sais pas si on va le... Si on va... On va l'avoir. J'aimerais bien, mais... Mais c'est pas dit. Là, on est juste à côté, alors il est où? Bizarre. Bizarre que je le trouve pas. Pas possible, ça doit être au-dessus. Alors? Bah alors, qu'est-ce que tu nous as fait là? Peuvent être qu'ici ces putains de pièces. Alors là, cache de monnaie, elle est bien dans mon dos. Ah, d'accord. Ok. My bad. Elles doivent être là. Ah si, elles doivent être là. Là. Non? Merde. Si, quand même. Oh. J'allais dire. On se fout de moi, là. Plus 7, mais je pense que ça suffira largement pas. Ici, on peut pas y aller parce qu'il nous faut ces fameuses flèches bizarres. Donc, en fait, je crois qu'il faut prendre le passage dans... Ah, te revoilà. 66. Si t'as encore de l'or pour moi, je te l'échange contre du matériel. Je crois pas qu'il nous ait repéré, mais... Silencieux pour essaie pistolet. D'être discrète. Oh, okay. Tu m'intéresses avec ton silencieux. C'est pas une bombe. Un type flippant au visage balafré, un certain Constantin, nous a fait un grand discours sur la destinée et quelque chose qu'il appelle la source. Honnêtement... Ça m'a encore plus embrouillé. Les autres contractuels ont l'air aussi agités et nerveux que moi. Mais les gars de la compagnie, ceux qui bossent avec les Trinitaires depuis longtemps, ils boivent ses paroles et en redemandent. On se croirait dans une putain de secte. On se prépare pour un assaut. Tu te demandes sûrement contre qui. Il y a des habitants dans le coin, tout droit sortis du passé. Ambiance fourrure, peau de bête et pointe de flèche en fer. On va à leur rencontre avec des hélicos de guerre et des mitrailleuses de calibre 50. Je me suis complètement gouré de camp, putain. Ah oui, j'avoue que c'est un petit peu les cow-boys contre les indiens, mais bon. Ils avaient qu'à pas se laisser complètement couper du monde, hein. Au moins un petit peu, quoi, histoire d'avoir de quoi se défendre, au cas où on inventerait autre chose qu'un arc et des flèches. C'est eux aussi, hein, là, c'est stratégie de guerre, hein, mec. Allez, direction le camp. Et on se laissera là après. Les Trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Ah, je vais réussir. Un vrai fan. Je vais m'en assurer. Alors. Oh, ça va piquer. Ah ah. Bon. Le réveil a été long. Et j'ai perdu mon blouson. Lara, est-ce que ça va? Lara? Oh, j'ai eu peur. Oh, Anna. Anna? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce Anna? Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur.
Je suis désolée, Anna. Anna, souvenez-vous, c'est la femme qu'on a vue au début dans son appartement. Tout est de ma faute. Quand la porte de Lara a été fouillée. Qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Oui, j'aimerais bien. Vous voulez de l'aide? Je peux vous aider. J'ai eu un second rôle dans Metal Gear Solid. Je suis le méchant. Regardez. C'est une nouvelle clé. C'est génial. On peut l'attacher à la ceinture. Pitié. Non. Allez. Regardez comment ça marche bien. Et on l'attache. Et voilà. On perd plus vos clés. Où se trouve la source divine? Arrêtez! Faites pas ça, je sais pas où elle se trouve! C'est une toile du Kamasutra que j'ai pas encore trouvé! Attendez! Ça suffit comme ça. Elle ne sait rien. What? Anna fait partie de la Trinité? Elle était là pour espionner papa depuis le début. Non. Tu es avec eux? Oh la carse! Comment c'est possible? Espèce de... Ah, ça, tu vas me le payer, mon petit gars, je te le dis. Le dernier qui l'a fait, qui a essayé de me toucher comme ça... Je te connais. Il est mort avec Himiko. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom? C'est un va te faire mettre. J'ai quoi, Anna? Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Tu l'as détruit, non? Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact? L'exhiber aux yeux du monde? Redorer le blason de la famille? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. Tiens! J'aurais pas fait mieux. Oh! On n'en tirera rien. Non. Oh, le vieux pétard, et moi j'en ai un mieux. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Non, c'est terminé. Réfléchis bien, Lara. Toi, t'es morte et l'autre, il est pareil. Vous êtes les deux prochains sur ma liste. Je vous le dis direct. Et même s'il faut que je bute l'armée rouge, au total, pour vous buter, j'y arriverai. Il n'y aura plus un seul Trinitaire sur la Terre. Moi qui te le dis. Non mais dites donc. Non mais comment ça nous... Comment ça nous exploite? Et comment ça nous utilise? Comment ça... Ça sert de nous? Putain, foiré! Bam! C'est pas terminé! Enfoiré! Je vais niquer cette grille, tu vas voir! Et je vais te niquer la gueule! Avec ton tatouage à 2 francs, là! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Putain, t'es là, je me croyais seul ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune? Vous fatiguez pas, je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. C'est un Trinitaire.
Je suis en pleine crise de confiance, en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte. Ils s'arrêtent jamais de parler ? Et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, j'ai déjà trouvé ma sorte. Ils sont loin d'être des enfants de cœur. Genre ? Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Te le fourrer dans la gueule si tu fermes pas la bouche. Oh, c'est pas possible ce mec. Bon, toujours est-il, on s'enfuit au prochain épisode, c'est promis. Pour le moment, on va se laisser là. L'épisode a déjà passé les 40 minutes et c'est beaucoup trop long. Malgré tout, j'espère quand même que vous êtes contents. J'essaye de faire des efforts sur pour rallonger un peu les épisodes et donner un peu plus de contenu. Y a-t-il une grande différence ? Oh, mais taisez-vous tous les deux ! Vouloir, sur ce, implique un choix. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, n'oubliez pas de partager les vidéos, s'il vous plaît. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, Tomb Raider, it's mighty ! Allez, à très bientôt au prochain épisode.